Enfin, il faut quand même préciser une chose, c'est que fatalement aujourd'hui, trouver des textes qui décrivent une situation, qui décrivent un personnage, qui racontent une histoire avec le type qui écrit en dehors, c'est très rare. Aujourd'hui, le narcissisme a envahi la chanson aussi. Et donc, c'est « j'ai mal, bah ouais, je t'aime, je ». Oui, mais c'est très bien, il y en a des jolis, hein, c'est pas une critique. Tatoue-moi sur tes seins. Fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Il est sympa, en plus, le gars, quand même, il fait des efforts. Hein. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Alors, je vais demander aux dames de montrer leurs dorures. Hein? Non, non, ça fait partie de l'opéra rock de Mozart. Voilà. C'est encore Mozart qu'on assassine. Elle oubliait. Régulièrement. Les achats qu'elle avait à faire. Elle retournait. Très fréquemment. 25 fois chez les commerçants. Heureusement qu'elle habitait au rez-de-chaussée. Si c'était au 6e étage. Je suis de ton âge, rien que d'y penser. Heureusement qu'elle habitait au rez-de-chaussée. Comment appelle-t-on une femme qui gagne son argent sur le trottoir? Péripatéticienne. Vous pouvez plus fort. Comment? Contractuel, je suis d'accord. Très bien. Je vois. Il y a des hommes sages. Il a dit qu'il y a une salope, là. Hein. Il a dit pas assez pour qu'on ne l'entende pas. Qui a dit la contractuelle? Si j'ai piétiné ton képi ridicule, sans trouver d'autres mots que ceux qui finissent en cul, je te demande pardon, car je ne savais pas. On choisit ton métier quand on n'a plus de choix. On ne n'est pas contractuel. Un jour, on le devient. Une femme est capable de tout si ses enfants ont faim. Je crois qu'on peut aller jusqu'à une certaine limite. Hein. On ne fera pas de chansons pédophiles. Sur l'église, les... non, on ne parlera pas. Non, mais c'est parce que vous avez tous cette expérience, c'est vrai que nous avons tous été davantage touchés par les prêtres que par leur religion.